ferait souffrir. Toute résistance serait futile. Ce petit homme sera détruit. Tu ne peux pas partir. Pas maintenant. Il est temps, ma
peu plus de temps. Je les chérirai. Mère. Règne avec sagesse. Impératrice. Oui, mère. Mon père et Kitana m'aideront. Placer une telle armée à travers les royaumes, il a besoin d'un portail, non? Bien plus d'un. Il doit avoir tout un nexus de portail. Ah, ils ne doivent pas être loin. Si nous les suivons, ils nous y mèneront. Oui. Mais nous devons attendre Raiden et Kung Lao pour frapper. L'absence des Lin Kuei est impardonnable. Bian les a totalement corrompus. À l'issue de cette crise, nous pourrons nous occuper de lui. Ce n'est que la première bataille d'une longue guerre à laquelle le titan Shang Tsung a préparé tout son continuum. Nous ne pouvons rivaliser. Selon mon homologue, votre combat a divisé la trame du temps et créé deux continuums. Mais qui sait si elle n'a pas été divisée davantage? Pourquoi n'y aurait-il que deux continuums? Où veux-tu en venir par là, sorcier? Tu dis que nous manquons de puissance. Peut-être la trouverons-nous dans d'autres continuums. Mais comment faire? En cherchant des alliés dans d'autres continuums. D'autres titans pour lever une armée imbattable. Oui, s'ils existent. Ce dont nous n'avons aucune preuve. Nous devons nous concentrer sur la bataille. Nous pouvons jouer notre survie sur une hypothèse. Si Liu Kang a raison, cette bataille est perdue d'avance. C'est peut-être notre seul espoir. Geras, ton avis? Oui, c'est possible. Mais je ne suis que l'attendant du sablier. Cette quête me dépasse. Il n'y a que le gardien du temps qui peut l'entreprendre. Et à présent, je n'ai plus ce pouvoir. Vous pouvez peut-être le récupérer. Quoi? Mais comment ça? Lorsque vous avez renoncé au sablier, je craignais qu'un jour, vous en ayez à nouveau besoin. Alors plutôt que de perdre votre pouvoir, je l'ai récupéré. Et aujourd'hui, il est encore en ma possession. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que le processus de restauration de votre pouvoir est irréversible. Malheureusement, retrouvez votre vie actuelle, protecteur du royaume Terre. Cette vie que vous aimez tant pourrait être impossible. Et tu ne voulais pas que je sois tenté de faire ce sacrifice, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire. Exact. Merci, Geras. Ta sagesse nous a tous sauvés. Bien. Où gardes-tu mon pouvoir? Nous devons le récupérer. Il est dans le temple du feu, dans le jaguar de jade qui vous a été offert par le grand Kung Lao. Oui, Geras. Liu Kang s'est révélé plus résilient que prévu. Ses camarades et lui se sont échappés de la forteresse. Oublie les autres. Trouve Liu Kang. Il n'y a que lui qui menace mes plans. Tu n'aurais pu trouver mieux pour conserver mon pouvoir, Geras.
J'ai toujours chéri ce présent du grand Kung Lao. Il me rappelle sa nature méticuleuse et son cœur généreux. Quand nous aurons retrouvé le jaguar de Jade, nous partirons à la recherche du sablier. Là, nous pourrons alors vous transférer les pouvoirs temporels qu'il renferme. Je réalise seulement que depuis tout ce temps, tu avais un accès illimité au pouvoir que le réceptacle contient. Tu aurais pu t'en emparer et devenir le gardien du temps. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Parce que j'ai foi en votre vision pour ce nouvel âge. En être le gardien me suffit. Merci, Eras. Bien. Ce processus que tu proposes, es-tu certain qu'il me rendra tous mes pouvoirs ? Non, je ne peux en être sûr, car personne n'a jamais rien essayé de tel. Même si nous réussissons, rien ne garantit que vous puissiez trouver d'autres continuums, ou même des alliés. Il n'y en a peut-être tout simplement pas. J'espère que notre quête n'est pas vaine. Je déteste abandonner les autres. Vos champions gagneront en puissance face à l'armée du dragon. Ils ne connaîtront jamais de plus grandes batailles. Que les dieux anciens les protègent. Votre splendeur, de la technologie. Quoi qu'il en soit, nous savons quoi faire maintenant. Les portails et l'armée du dragon doivent être détruits. Scorpion, tu as un plan ?